laquelle vous avez battu la cloche des notifications. Je vous mets ça déjà quoi, je sais pas. Battu la cloche des notifications, on est de liker la vidéo, on va vous laisser avec le court-métrage. J'arrive. Je prie pour que ce soit pas une date le carré. Entre. Descends dans mon lit pour voir c'est qui. Ah oui, c'est toi, Julie. J'ai peur que ce soit une date le carré. Attends. Il te manque quelqu'un. Il te manque quelque chose sur ton doigt. Hein, ton ongle. Pourquoi il est parti? Ah, il est assez taré pour faire ça. Ouais, t'inquiète, ça va aller. Ouais, bon, si t'attrapes ton père, tu vas lui faire la même chose, on parie. Ouais. Ouais. Ouais, je te comprends. Parce que là, d'avoir un père taré, c'est pas ouf. J'en ai, mais il est mort. Tu vois le cimetière qui est à côté de la cascade? Moi, je l'ai jamais vu. Bah, c'est son cimetière. Bon, on va faire un tour? Vas-y, Condé. Tu m'emmènes à Shanti? Ah, désolé, c'est toi qui conduis. Désolé. Vas-y. Tu m'emmènes à Sunti, on va remettre de l'essence. Et évite d'avoir un accident. Dis-toi bien ça, dis-toi bien ça. Ouais. Ouais, mais faut voir la réalité en face. Hein. Si ça se passe comme ça, on est vraiment mal. Parce que t'oseras pas... Oui, mais d'un autre côté, t'oseras pas toucher à... T'oseras pas toucher à ta mère. D'un autre côté, ça va être un peu plus compliqué. T'oseras pas torturer ou torturer ton père. D'un ou l'autre, t'oseras pas le faire. Ah, c'est normal qu'il y a des gardes. Il y a marqué Midas dessus. Des gardes fantômes. Ils sont pour Midas en plus, c'est ça le pire. En même temps, c'est des fantômes. Une aire. J'en avais pas. Je crois qu'il a bu 3 bouteilles d'alcool hier avec Votus. Ouais. Tu crois que je suis pas des chaînes YouTube, mais... comme Steve Paget, quoi. Ouais. Ouais, mais après, il a pas encore beaucoup d'abonnés. Il va bientôt avoir un code créateur, ça va être... PAQET. Et petite pause les gens, n'oubliez pas quand Lucas va sortir son code créateur PAQET de le mettre dans la boutique de Fortnite. On reprend le court-métrage. Bah tu vas aller à la... Viens, on va sur la plage. On prend le soleil, c'est le matin. Ça va, le soleil il est là. Ouais, je vois pas vraiment le soleil, il doit être caché par les nuages. Mais ça va, il fait beau. Ah ouais. Bon. Je te comprends. Parce que... Non.
Doucement. Et pour te dire, parce que Midas, il est venu me parler hier. Bon. Il m'a dit, il m'a demandé si je voulais être avec les fantômes. Je lui ai répondu que non, j'étais avec les ombres. Oh, il a essayé de me frapper, mais je lui ai mis une balle dans la joue, il est parti. Donc, non. Ouais, mais tu fais ça, Midas. Ouais, mais après, le seul problème, M, c'est que tu fais ça à Maridor, elle va aller le répéter à Midas, qui va essayer de nous tuer. Qui va essayer de te tuer, ou de tuer Brutus. Donc, Brutus, mais j'ai une question. Brutus, il va être avec les ombres pour faire tuer ou pas? Oh, mais est-ce qu'il va vraiment faire ça? Il va vraiment faire ça aux gardes de l'ombre, aux gardes des fantômes? Ah, mais vous croyez qu'ils vont en avoir quelque chose à faire? Midas, il les a entraînés à la torture. Je les ai vus hier. Midas, quand je suis venu les voir, je suis venu les voir en cachette. Du coup, Midas, il était en train de les torturer et les entraîner à la résultat à la torture. Oh, je te jure, ils criaient, mais comme des. Mais il y en avait, ça leur faisait rien. Il y en avait, ils faisaient. Cool. Bah, comme c'est tout le temps, quoi. On essaye tout moyen de s'échapper de la boucle. Ça lui va pas trop pour l'instant. Mais voilà. Attends, je vais le tuer. Pourquoi? Il y a marqué Midas dessus. Pourquoi Midas nous emmène des gardes? Ah! Touchez pas, Julie. Ouais. Et j'ai une question. Si Midas est devenu normal, tu voudras. Vu que. Comment dire, j'ai compris que tu voulais plus de lui en père pour l'instant. Non. Il aura ses gardes aussi, je pense. Ouais, ça je l'avoue. Bon, moi va falloir que je te laisse. Je vais au travail. J'espère que tu iras mieux. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la cloche de notification. Et on va se retrouver bientôt pour un prochain épisode. À tout de suite.